Bélanger pour mon Maribel. Aujourd'hui, j'ai eu le goût de faire une petite capsule spontanée. Je suis en lancement de ma chaîne YouTube présentement. Et puis, cette chaîne-là est dédiée aux personnes hypersensibles et empathes. Je suis empathe et hypersensible. Et puis là, je me suis mise en observatrice parce que personnellement, je commençais à sentir le stress monter, la fatigue s'installer et un certain déséquilibre aussi s'installer. J'ai beaucoup de difficultés à m'enraciner, plus que d'habitude. Dans le fond, aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler du changement puis de la transition. Comment on peut le vivre quand on est empathe, hypersensible. C'est sûr que c'est très personnel. Chaque personne le vit différemment. Je pense que c'est profondément insécurisant pour l'être humain quand on entend le mot « changement ». Mais comme personne hypersensible, on a tellement quotidiennement besoin de s'adapter à toutes sortes de mini-changements dans l'air, dans l'énergie, dans les émotions des personnes qui nous côtoient, dans notre niveau d'énergie, que je me suis rendu compte avec les années que oui, on a besoin d'avoir un certain... une stabilité dans nos horaires. Je peux pas dire que j'ai une routine. Je vis pas une vie de routine comme étant entrepreneur. Mon horaire est très variable. Je fais encore de la consultation privée en ostéopathie, donc c'est sûr que mes horaires sont très variables. Mais j'ai besoin d'avoir mes rituels puis mes points de repère fixes dans mes journées. Mon yoga le matin quand je me lève, aussi important que le café. Moi, c'est pas le café, c'est le yoga puis la méditation le matin pour sentir que je suis vraiment centrée puis présente à ma journée. En général, j'ai besoin d'un repos dans l'après-midi aussi. Je fais souvent des auto-soins de Reiki pour vraiment me recharger mes batteries. Et puis, j'ai vraiment, en général, un horaire assez fixe au niveau de l'heure du coucher et du lever. Donc, certaines routines là-dedans aussi. Donc, tout ça pour dire que dans les derniers jours, c'est sûr que... j'ai la chance d'avoir un partenaire aussi super motivé avec moi dans l'aventure. Donc, c'est sûr que je me suis dit, donnons un coup pour tout préparer. Même moi, personnellement, en fin de journée, même si j'étais fatiguée, OK, je vais rajouter tel détail, je vais travailler encore ça. Puis, quand on aime vraiment ce qu'on fait puis que l'activité nous passionne, c'est ça, on peut oublier nos signaux de fatigue. Puis, après quelques jours à ce rythme-là, de moins respecter mes pauses dans l'après-midi pour recharger mes batteries, de moins respecter mes heures de coucher, certaines heures de repas aussi, je vois que mon corps me parle. Je suis beaucoup plus émotive, un peu plus fatiguée. Donc, ce matin, je me suis dit, Marie, ton projet est pour les personnes hypersensibles. Idéalement, tu veux partager tes trucs. Comment gérer son énergie? Comment mieux la gérer? Donc, j'ai regardé dans le miroir et je me suis dit, il est temps que je fasse moi-même quelques petits changements pour remettre un équilibre dans tout ça. Donc, c'est juste quand ces moments de transition-là arrivent, je vous dirais qu'à ce moment-là, c'est vraiment plus dur. Parfois, c'est même frustrant de ne pas être capable de faire ce rythme-là qui, pour la majorité des gens, est comme un rythme normal. Mais pour moi, juste cette augmentation de cadence-là au niveau des tâches aussi que j'ai à faire, de tout ce à quoi j'ai besoin de penser, de travailler davantage les réseaux sociaux,
C'est toutes des choses que j'avais pas à faire dernièrement dans ma routine, mais qui là, tout d'un coup, arrivent. Puis toutes ces émotions-là positives aussi, là, du lancement, de sortir la vidéo, de l'avoir en ligne, d'être contente du résultat, de voir tout cet amour-là qu'on a mis ensemble, moi et mon partenaire, dans l'aventure au niveau du montage, de la vidéo. Oui, c'est ça, c'est quand même une émotion positive. Il n'y a rien de négatif dans ce que je vis présentement. Mais même les émotions positives, quand on est hypersensible, et juste ça, ça peut nous débalancer. Donc, c'est ça. Ce matin, j'ai senti que j'avais besoin de faire des... j'avais besoin d'une prise de parole face à moi-même. Donc, je vais me dire des choses à moi-même. Je me suis rendu compte que j'avais besoin aussi de réajuster. Parce que pour moi, travailler en équipe, c'est possible, mais c'est plus difficile. Parce que je dois m'assurer d'exprimer des choses qui sont parfois anodines pour certaines personnes. C'est-à-dire que mes besoins à moi, mon rythme à moi peut paraître tellement lent ou inadéquat pour certaines personnes. Mais c'est mon rythme à moi. Puis comme c'est ce projet-là est un projet qui est à mon image, puis à l'image des personnes hypersensibles, même si on est toutes différentes, ben c'est ça, je me suis permis de dire « Wow! » On est en train de commencer un projet. Le rythme s'est accéléré. C'est sûr qu'on n'a pas trouvé de rythme. Je n'ai pas trouvé de rythme encore. Mais ça m'a vraiment fait du bien d'être capable d'observer, de m'observer, de voir qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, d'être capable de me dire à moi-même « T'as besoin de prendre encore plus soin de toi là-dedans, tout ça. » Et puis d'être capable d'exprimer aussi aux personnes qui m'entourent, qui font équipe avec moi aussi, des besoins qui ont été entendus et respectés. Donc, je pense que j'aimerais ça vous dire aussi que ça vaut la peine de savoir, de s'observer justement pour savoir clairement ce dont on a besoin, d'être capable de faire les changements nécessaires, mais quand c'est clair pour nous, je pense que c'est beaucoup plus facile de l'exprimer aux personnes qui nous entourent, qui nous aiment vraiment, qui veulent notre bien, mais qui ne sont pas toujours au même niveau que nous, au niveau de tout ce qu'ils ont à analyser dans une journée, au niveau du ressenti. Donc, des changements et des transitions, il y en a tout le temps dans la vie. Il y en a qu'on peut prévoir un peu plus que d'autres. Ça, c'est un changement qui est prévisible, dans le sens que c'est quelque chose que je désire, c'est un nouveau projet, une chaîne YouTube. Donc, c'est possible de faire des adaptations dès le début pour s'adapter davantage à mon rythme, tout en respectant aussi les personnes qui m'entourent. Donc, c'est ça. J'avais juste envie ce matin d'être un peu plus dans ma vulnérabilité, dans l'ouverture, puis de mettre en principe ce que j'ai envie de partager avec vous sur cette chaîne-là, c'est-à-dire de démystifier, dédramatiser le fait d'être hypersensible et empath, puis d'être en mode solution, d'être dans sa vérité aussi, puis oser dire les choses, parce que ça, j'entends ça aussi de d'autres personnes qui sont hypersensibles, sont restées trop longtemps à penser que les autres allaient savoir ce dont on avait besoin. On peut parfois être dans la frustration parce qu'on s'attend à ce que les autres devinent ce dont on va avoir besoin. Mais non. Donc, voilà. Un pas de plus ce matin pour moi. Dans la reconnaissance de ma différence, je continue de dire que c'est un don d'être hypersensible et d'être empath. Donc, célébrons ce don. Mais il y a certaines journées qui sont plus inconfortables que d'autres. Et puis,
J'avais envie de vous le partager aujourd'hui parce que je pense que c'est un endroit ici où on peut se sentir en sécurité d'exprimer notre vécu comme personne hypersensible. Pour inspirer, puis pour dire à tous ceux qui sont comme moi ou qui ont des gens hypersensibles dans leur entourage, qu'on a besoin de vous, mais qu'on va vous aider en vous exprimant clairement des petits changements qui peuvent être faits pour qu'on se sente mieux. Puis à nous aussi de faire les changements pour que notre rythme soit plus adapté à nos besoins. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps d'écouter cette capsule-là ce matin. Ça me fait vraiment du bien de vous partager ça. Je pense que c'était très important. Donc, faites vraiment attention à vous, parce que vous en valez la peine. Je vous aime beaucoup, puis je vous dis à très bientôt!